Les enfants de l'école de Binderneim ont été obligés de s'échauffer avant la fête de Noël de l'école, pour une bonne raison. En général, c'est vrai qu'on fait à Noël un chant à l'église avec les enfants. Cette année, les maîtresses ont décidé de faire une course solidaire puisqu'on est en plein dans les Jeux Olympiques. Donc voilà, elles ont eu l'idée de faire la course solidaire pour l'association Paprika. Et ensuite, un petit marché de Noël avec quelques petits exposants des alentours et le Père Noël, la visite du Père Noël. Une course qui n'était pas pour déplaire aux parents. Que c'est convivial, donc c'est une fête de Noël. Tous les ans, il y en a une. Habituellement, il y a des messes de Noël. Là, cette année, c'était une course. Ça change un peu, mais ça reste convivial. Après la course, les enfants ont pu se balader en poney, participer à un atelier d'écriture de lettres au Père Noël ou encore faire quelques achats de Noël sur le marché. En général, le foot de Binderneim faisait un petit marché de Noël, mais cette année, ils ne l'ont pas reproduit. Donc du coup, la PEPA s'est dit, bah allez, on innove, on fait un petit marché de Noël avec. Ça ramènera du monde d'extérieur, et voilà. Pour cette école de 92 élèves, cette fête permet à l'association des parents d'élèves de récolter des fonds. Pour que les enfants puissent avoir des sorties scolaires, parce qu'effectivement, tout a augmenté. Les prix des bus également, donc du coup, on participe au trajet scolaire pour les sorties. Les élèves ont pu recevoir la visite du Père Noël et même faire une petite photo avec lui. Joyeux Noël! Oh, 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 oh.